Avant tout, ce sont des voix qui me reviennent. Celles d'un intellectuel, celles d'un ouvrier. Des timbres gutturaux, s'efforçant de parler l'espagnol pour entrer en contact avec moi, fils d'un vieux camarade venu d'un pays qui ne se laissait pas oublier, l'Espagne. En 1936-1937, ils avaient 20 ans. Désormais, citoyens oubliés, ils se souviennent de Teruel, Madrid, Guernica. 50 ans plus tard, je pars dans le monde à la recherche de ces voix. The first British casualty was a woman. She was an artist who was working in Barcelona in July 1936. She was a communist, but she was there as an artist. And she saw what was happening. She picked up a rifle and went to the front in a patrol of the, well, anarchist militia from Barcelona, and was killed early in July 1936. Nous étions des étudiants. Nous étions marxistes, nous étudions les textes de Marx, de Engels, etc. Et enfin, quelques manifestations dans la ville de Cambridge, mais la ville de Cambridge, il n'y avait pas de classe ouvrière, c'était une cité universitaire, c'était pas très sérieux. Mais quand l'Espagne, quand la guerre a commencé, nous étions trois étudiants qui sont, nous sommes partis ensemble. And then when the war broke out in Spain, I became very active with my club and the whole movement supporting the loyalists. And I went and I met somebody in a very small office in New York City. And he painted a very black picture. In other words, when you went, there would be no support, no insurance, no this, you get killed, you get killed, you get wounded. You get wounded, no pay, no money, no mercenaries, strictly volunteers, you know. Le premier groupe de jeunes, on était 11-12 garçons avec une fille. Et le plus jeune avait 17 ans, le plus âgé il avait 21-22 ans. Et nous sommes allés là où il faut. C'était illégal, c'était officiellement, on ne pouvait pas partir, la France ne sait pas. Nous sommes partis, le premier groupe de jeunes de Paris, juifs. Pour l'Espagne. Et à Marseille, quand nous sommes arrivés, on nous a, dans le vieux port, les ouvriers, on nous a mis dans un local caché, et nous avons attendu quelques jours pour prendre le bateau. Et un jour, une nuit, le bateau est arrivé, c'était le Villa de Madrid, c'était un des plus luxueux bateaux de croisière espagnole. Et quand on commençait la guerre civile en Espagne, et de tout le monde, il y avait des hommes, y muy pocas mujeres, y como era enfermera, yo podía ir. I sailed into Spain in 1935. I was on an American ship. I have never sailed into a more beautiful country in my life, with beautiful people, warm-hearted people, lovely people. So I was in Honolulu, organizing the sugar workers, trying to build up a union in the island, Hawaiian Islands. There's no union there, so I went over there and trying to create them. When Spain broke, when Franco decided to rebel and take the country over. So I knew all about Spain, and my heart was always there.
So when it came time, when I heard that they're having an international brigade was organized, I said, that's for me. À partir du débarquement de mai 44, la formation vraiment militaire des guérilleros quitte la MOI, ça ne veut pas dire qu'elle ne combat pas le cas échéant avec elle, mais elle a son commandement totalement autonome, totalement espagnol bien entendu, hein, et elle adhère directement au FFI. Autrement dit, elle est autonome, elle est considérée à l'intérieur du mouvement de la résistance en général des FFI. Elle est une institution FFI. Elle échappe donc totalement au contrôle de la MOI et au contrôle naturellement du PC. L'UNE, qui fait une déclaration tout de suite après la libération de Toulouse en disant qu'il faut reconquérir l'Espagne, il faut partir à la reconquête de l'Espagne avant la terminaison de la guerre sur le Rhin. Parce que l'Espagne libérée, à ce moment-là, par nos soins bien entendu, l'Espagne libérée va pouvoir reprendre sa place auprès des grandes puissances et participer à la fin de la guerre et battre l'Allemagne. Et quand nous avions libéré Montpellier, primero Béziers et Montpellier, pues passaron les guerrilleros pour aller au Valle d'Arán avec la bandera républicaine. Et je dejé mi regimiento et tout, et me metí con ellos et me marché pour le Valle d'Arán. L'illusion de ceux qui sont revenus et qui ont formé les maquis, qui ont commencé à venir de France par petits groupes, qui descendaient par le Mont-Cenis, qui continuaient par les montagnes de Tarragone vers Teruel et plus loin, cette illusion qu'ils seraient reçus ici les bras ouverts, comme ça leur était arrivé en France, à Toulouse et dans le Languedoc, cette illusion était vaine. Nos enviaron a España para tomar posición en la Sierra Pandol. Yo tenía que, con 94 hombres que lleva detrás de mí, tenía que infiltrar para ir a la Sierra Pandol. De las bordas, un matin, a 2h du matin, on nous a pris. Et on a dit on va prendre une position en dessous de Vieille. Et à moitié de la nuit, c'était 3h du matin, j'ai vu des gens descendre de la montagne. Quoi. Alors j'ai dit de quelle brigade vous êtes? Il m'a dit de la 13e brigade. J'ai dit qui c'est qui prend la relève là-haut, sur la position? Il m'a dit c'est la 11e brigade. J'ai dit mais la 11e brigade, on n'est même pas à la moitié de la montagne. Et vous avez laissé la position? Ouais. Alors moi quand j'ai vu ça, je suis allé voir le commandant. J'ai dit Eloy, les types ils ont laissé la position. Et quand on va arriver là-haut, il y aura les fascistes. Il m'a dit, quel âge tu as? J'ai dit, 18 ans. Il me dit, occupe-toi de bien graisser ta mitraillette, tout, et t'occupe pas du commandement, c'est moi qui veux. Alors il nous a laissé là, à moitié chemin, dans la nuit. Et le matin, parce que quand on a voulu monter là-haut, les fascistes, ils nous attendaient déjà. Soixante ans après la mort de Jean Moulin, que nous reste-t-il? La voix de Malraux, le texte de Malraux, une tombe sans corps, une plaque mortuaire, la croix de Lorraine, la veste de préfet tachée de sang et l'ombre de Jean Moulin dans la prison de Montluc. Au début 1941, au lycée, un jeune Alsacien réfugié m'a remis en douce un tract gaulliste
Et je lui ai demandé immédiatement de travailler avec lui à la distribution de ses tracts. Et comme ça, j'ai été actif à la base. Et je me suis retrouvé par un concours de circonstances indépendant de mes choix. Moi, j'essayais de gagner l'Angleterre, c'est pour ça que j'avais été à Marseille. Je me suis retrouvé dans un mouvement qui était dépendant de ce qu'on appelle la MOI, Mouvement Ouvrier Immigré. C'était des résistants dont le plus connu est Manouchian, le fameux groupe Manouchian de l'Affiche Rouge. Et c'est grâce à la rencontre que j'ai pu faire avec les garçons de la MOI, des FTP-MOI, que j'ai pu, au lendemain même de mon premier contact avec eux, être armé. Et 48 heures après, j'ai participé à une opération qui m'a donné un mélange extraordinaire de trouille avant et ensuite d'exaltation, d'exubérance, de joie après. Parce que j'ai participé avec des explosifs à une opération contre du matériel allemand et enfin je faisais quelque chose qui n'était pas seulement de la propagande, des choses comme ça. La bibliothèque est en feu, nous disons. La bibliothèque est en feu deux fois. C'est ainsi que se créent, notamment en zone sud, trois ou quatre mouvements un peu plus importants. Le mouvement combat, le mouvement franc-tireur et notre mouvement libération. À la sortie de la guerre, des gens se sont retrouvés, dans le cas de libération, autour de Dastier, autour de Lucie Aubrac, autour de Cavaillès, autour d'un certain nombre de gens qui ont immédiatement commencé, petitement, mais sur le plan de la propagande, pour l'essentiel. Mais il y avait déjà teinté un petit peu d'attitude de gauche. Dastier, c'était un ancien officier de marine, et un homme qui avait été journaliste déjà. Il avait une très grande allure, et aussi d'aristocrate. Mais il avait un talent d'écriture réel et il faisait les éditoriaux du journal clandestin sur les marbres des bistrots quand on préparait un journal. Mais en même temps, il en était en rapport avec les Aubrac, etc., etc. Il s'est constitué un noyau de gens qui étaient plus ou moins orientés en tout cas, nettement plus à gauche que Freinet. Henri Freinet, lui, est un militaire, c'est un officier d'active, un officier qui a été dans les services, qui a été à l'école de guerre. C'est un excellent organisateur, c'est un très bon animateur, et très tôt, il pense à créer quelque chose qui va pouvoir jouer un rôle militaire. Moulin, quand il arrive, est seul. Il codait ou il décodait ses propres télégrammes, c'est lui qui allait rechercher les contacts avec les uns et les autres. Bref, il faisait tout. Et il faut attendre l'été 42 pour que se mette en place de fait quelque chose qui n'est pas spécifiquement bureaucratique, enfin qui est relativement efficace et qui permet quand même à Moulin d'être le véritable patron. C'est-à-dire que Jean Moulin était une sorte de renard. Il ne voulait pas qu'on perce sa double identité. Et finalement, il fuit, dans une large mesure, ce qu'il a connu avant-guerre. Pourquoi ? Parce que, et ça va le sauver jusqu'en juin 1943, il a une double vie. C'est-à-dire que, pour une bonne partie de la semaine, il est à Lyon. Et là, il s'appelle ceci ou cela, fausse identité, souvent Martel. Et puis, de temps à autre, surtout en fin de semaine, il repartait. Et au sud d'Avignon, il prenait à ce moment-là son vélo, il allait à Saint-Andiol ou à Montpellier, et il redevenait Jean Moulin, propriétaire donc à Saint-Andiol. Thank you.
Marcel Reimann, Celestino Alfonso, Misak Manouchian, bien d'autres encore, sont les personnages de l'histoire que nous allons vous raconter. Un combat à la vie, à la mort. Dans Paris occupé, à partir de 1943, seuls quelques dizaines de résistants communistes étrangers, organisés dans l'AMOI, la main-d'œuvre immigrée, mènent la lutte armée. Pour les contrer, ce ne sont pas les Allemands, mais la police française qui est en action, les brigades spéciales des renseignements généraux. Étrange paradoxe, voilà des hommes et des femmes, étrangers pour la plupart, luttant pour la libération de la France, mais traqués, filés, arrêtés par des policiers français qui vont les livrer à l'occupant allemand. Aujourd'hui, nous pouvons faire la vérité sur cette affaire grâce aux derniers documents exceptionnels trouvés à la préfecture de police et aux archives nationales, grâce aussi aux témoignages des rares survivants et rescapés des rafles et des camps de concentration. Dans les camps d'internement du sud de la France se trouvent beaucoup de futurs membres du groupe de la Fiche Rouge qui s'étaient engagés auprès de la République espagnole comme Joseph Epstein, Celestino Alfonso, Arthur London, Joseph Potsoff. Quand j'étais en contact avec le responsable pour les Espagnols, pour les Italiens qui avaient leur propre organisation. Et alors, il y avait une chose, je me souviens très bien dans les rendez-vous, il me disait, il y en avait qui me disaient parmi eux, mais quand c'est qu'on va commencer à prendre les armes? Parce que nous, il y a nos adhérents, il y a nos membres qui posent la question. Et moi, je disais, bon, on n'est pas encore, ça se prépare, mais ça, on n'est pas encore. Et après, quand je leur ai annoncé, ça y est, maintenant, il va y avoir la lutte armée. Vous devez maintenant choisir les meilleurs qui acceptent de faire ce travail. Pour la première fois, nous pouvons accéder à des archives longtemps cachées, inaccessibles, pour relier les données et les informations qui sont aujourd'hui dévoilées. Les FTP MOI se sont mis en place au printemps, en avril-mai 1942, dans la suite des groupes de l'organisation spéciale. Une structure qui s'appelait d'ailleurs OSMOI, c'est-à-dire Organisation spéciale de la MOI, et qui était dirigée par l'Espagnol Conrado Miret Must. Conrado Miret Must qui va être arrêté très rapidement, et aucun document dans les archives ne permet à ce jour de dire ce qu'il est devenu. On sait qu'il est mort une fois arrêté, dans quelles conditions ou comment, personne ne le sait. Donc dès le printemps 1942, est mis sur pied cette nouvelle structure, les FTP MOI de la région parisienne, sous la direction militaire de Boris Holban, juif roumain, qui va jouer un rôle essentiel dans toute cette histoire, puisqu'il va diriger les FTP MOI de la région parisienne du printemps 1942 jusqu'à juillet 1943. Et on voit déjà dans les documents saisis l'importance des actions. Par exemple, ce qu'ils appellent, voilà, je vois en détachement du MOI. Bon, parce qu'il pensait que c'était le mouvement ouvrier international, c'est de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Qu'est-ce qu'on lit? 6 septembre 1942, dépôt d'engins explosifs dans un garage. 8 septembre 1942, engins explosifs, hôtel Printania, 147 Terre, rue d'Alésia. C'est important, cette référence aux attentats contre des hôtels, c'était des hôtels réquisitionnés par les Allemands, de même que les garages étaient des garages réquisitionnés par les Allemands. 19 septembre, engins incendiaires dans des établissements Grandel. 6 octobre 1942, dépôt d'un engin dans un garage, rue de Lagny. 11 octobre, dépôt de deux pétards sur les rebords de fenêtres. Thank you.
Plus de 60 ans après la libération des prisonniers des camps, il ne reste que l'horreur, la douleur et l'incompréhension. Peu de survivants ont parlé, écrit des livres et participé à des films tellement la parole fait mal. En fréquentant certains d'entre eux, je fus étonné de voir leur énergie, leur hargne de vivre et de créer. Ils n'avaient pas perdu espoir dans l'homme, même si l'idée d'humanité n'avait pas la même signification après les camps. J'ai donc senti le besoin d'en faire un film, de laisser une trace sur cette impression de défier la mort qu'il dégage et qui m'impressionne. Plus tard, en les écoutant, en lisant leurs livres, je compris qu'ils avaient tous tiré une force, une énergie de cette tragédie. En même temps, il est assez singulier de voir comment chacun s'en sort. Stéphane Hessel valorisant l'esprit de survie, Serge Zilberman devenant un des plus gros producteurs français, Armand Gatti explosant dans l'anarchie et la parole exaltée, tandis que Pierre Dex a trouvé son bonheur chez les artistes et dans l'histoire de l'art. Plus difficile de parler des camps de concentration que ça l'était en 1945, que simplement parce qu'il faut toujours faire le saut entre un univers tout à fait différent de la vie ordinaire, qui est un univers de la terreur déchaînée, et la vie que les gens connaissent. Après son adhésion au Parti communiste en 1939, à 17 ans, Pierre Dex, élève au lycée Henri IV, est arrêté dès 1940 pour fait de résistance et détenu à la prison de Clairvaux avant d'être déporté à Mauthausen en mars 1944. À Mauthausen, Pierre Dex, comme Armand Gatti, rencontre lui aussi à son arrivée des déportés espagnols. Structurés et solidaires, ils étaient les premiers occupants du camp depuis 1940. Ils avaient fui Franco en 1939 et venaient des Stalags allemands et des camps de concentration français. C'est là que Pierre Dex apprendra à les aimer, ce qui le rapprochera après-guerre de Pablo Picasso. Dans les prisons françaises, je ne dis jamais pourquoi j'ai été arrêté, parce que j'ai appartenu à l'organisation spéciale qui a fait les premiers attentats contre les nazis. Tous mes copains ont été fusillés, donc je dis simplement, j'ai été arrêté Front National, pour le Front National, qui était l'union politique de la résistance. Et j'arrive à Mauthausen, et à Mauthausen, le premier Français que je rencontre, dans le bloc de quarantaine où j'étais, c'est Rabaté. Et il m'a présenté aux Espagnols en disant, tu sais, c'est un type bien, c'est un terroriste, c'est un de ceux qui ont tiré sur les Allemands. Bon, moi j'avais peur, mais ça m'a valu, vis-à-vis des Espagnols, un brevet de confiance, et j'ai tout de suite été adopté par les Espagnols. Or, les Espagnols constituaient une des nationalités les plus importantes du camp. Ils en avaient, on en avait tiré, envoyé de France 8000, si je ne me trompe pas. J'ai fait à pied les Lodes, de Lodes à Varsovie, 120 km. Et là, Varsovie était encerclée, j'ai défendu Varsovie pendant 8 jours, avec les Polonais. Et le jour où les Allemands sont entrés, les Polonais m'ont dénoncé aux Allemands, que je suis juif. J'ai foutu le camp quand même, je suis rentré à Lodes. Alors j'ai entendu, mon père était propriétaire de l'usine, il y avait un immeuble dans lequel j'ai habité. C'est notre concierge que nous avons ces Allemands. En fin de compte, on nous a mis dans un ghetto. Comme beaucoup de juifs du ghetto, Serge Zilberman veut s'évader à travers la zone polonaise occupée par les soviétiques. Comme son père refuse de fuir, il reste avec eux, pensant pouvoir les aider. Le secrétaire, après être liquidé, nous envoyons à Birkenau. Stéphane Frédéric Hessel, né à Berlin le 20 octobre 1917, est un ancien résistant, diplomate et ambassadeur français. Dès 1941, il travaille pour les services de renseignement, le BCRA, à Londres. C'est là qu'il rencontre De Gaulle, Jean Moulin et Pierre Brossolette.
À sa demande, il est parachuté en France où il est arrêté le 10 juillet 1944 et envoyé au camp de Buchenwald, puis de Dora. Il échappe de peu à la pendaison et réussit à s'enfuir lors d'un transfert en prenant l'identité d'un mort du typhus. Depuis, il a travaillé à l'ONU et a participé notamment à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Au mois de mars 1944, c'est-à-dire, on savait déjà à l'époque que le débarquement serait probablement proche. On ne savait ni quand ni où, mais on savait qu'il y aurait débarquement. On pensait que ce débarquement mettrait à mal les communications internes de la France entre Paris, la province, Lyon, etc., et qu'il fallait répartir nos moyens de communication radio un peu différemment que ça n'avait été le cas jusque-là. Et ma mission consistait, en liaison avec les réseaux de renseignement que je connaissais pour les avoir alimentés depuis Londres depuis 2 ans, de leur demander de déplacer leur radio dans des endroits d'où ils pourraient continuer à communiquer. Et c'est le travail qui a été fait, et il a été relativement efficace, donc je ne suis pas trop malheureux d'avoir été bon à rien, parce qu'on a pu continuer à transmettre, même à travers ce qui se passait en Bretagne ou ce qui se passait dans le Midi, ça a été relativement efficace. Arrêté le 10 juillet 1944 par la Gestapo, j'étais à peu près certain que je ne m'en sortirais pas, parce que j'étais arrêté comme quelqu'un qui venait de Londres, où il avait eu des responsabilités dans l'action clandestine en France. J'avais été trahi par un camarade qui a été torturé, qui a donné mon nom et mon vrai nom et un rendez-vous. Arrêté par la Gestapo, j'étais à peu près sûr que ça se terminerait par ma mort. En même temps, comme on est quand on a 26 ans, courageux et convaincu qu'on va s'en tirer, je me suis comporté vis-à-vis des interrogatoires de la Gestapo avec une certaine nonchalance. Je n'ai heureusement trahi personne, ça c'est une chance. Et quand j'ai été embarqué pour Buchenwald, je ne savais pas du tout où on me conduisait. Qui est Madeleine Riffaut ? L'une des dernières grandes résistantes vivantes, la jeune fille de moins de 20 ans qui a battu en 1944 à bout portant un officier de l'armée d'occupation sur le pont de Solferino, la combattante FTP qui a participé les armes à la main à la libération de Paris, la poétesse qui a été très proche dans l'après-guerre des plus grands artistes et écrivains de la mouvance communiste, Éluard, Picasso, Aragon, Zara. L'auteur en 1965 d'un reportage qui a fait date sur les maquis du Viet Cong, dont elle a partagé la vie pendant plusieurs semaines, l'amie et la protégée d'Ho Chi Minh et du général Giap. L'auteur plus tard d'un autre grand livre de reportage vécu de l'intérieur sur les infirmières, leur vie, leurs souffrances, leur dévouement, leurs sacrifices quotidiens, leur lutte face à la dégradation programmée du système de santé publique. La grande dame qui aujourd'hui encore ne cesse de témoigner auprès des plus jeunes sur l'histoire de la résistance et s'obstine à en transmettre la mémoire et l'esprit comme s'il n'y avait rien de plus actuel. Tout cela est bien plus encore. Une femme multiple, héroïque, lucide, inflexible, séduisante, qui n'a rien renié de ce qui animait les combats de ses 20 ans. Et dont le langage et le ton peuvent parler directement à ceux et à celles qui ont cet âge aujourd'hui. Le remarquable portrait filmé qu'en a fait Georges Amat est plus qu'un témoignage historique, un événement, prouvant qu'il y a dans le combat d'une telle femme pour la justice et la liberté quelque chose qui échappe au temps. On me donnait 2 petits jeunes gens avec moi, dont l'un était armé, et il s'agissait d'aller dans les mairies
juste quand il venait de recevoir le sort de ticket, où le lendemain, ils allaient les distribuer. C'était le genre de boulot que je faisais à l'époque, quoi. Et puis, enfin, le jour dont arrivé est venu, je dis, bon, maintenant, tu vas devenir résistante à part entière. Voilà. Et là, assez rapidement, il fallait faire des actions plus, un peu plus dures. Il y avait Paul qui était au comité de direction, un triangle de direction, Martinet, et puis moi je suis venue au MAS, ça veut dire que je m'occupais du recrutement, je m'occupais de planquer ceux qui étaient recherchés par la police en appuyant sur nos comités d'aide. À ce moment-là, est apparu dans le métro l'affiche rouge. Alors là, l'horreur. Les meilleurs, l'unité d'élite, qui avait fait écrire par les nazis dans leurs journaux, Paris est la capitale d'Europe la plus dangereuse pour nous. Et ceux qui étaient responsables en grande partie de cet honneur, c'était ce qu'on a appelé le groupe Manouchian, les FTP MOI. Leur chef, qui dans les derniers temps était Joseph Epstein, est un maître ex-guérilla urbaine. Il avait inventé des manières de faire la guérilla urbaine qui étaient encore mieux que celle de Fabien que nous on avait. C'est une histoire invraisemblable et pourtant vraie. L'histoire du train fantôme. L'histoire de l'un des derniers convois de déportation qui, pendant l'été 1944, a mis 2 mois depuis son premier départ de Toulouse avant de rejoindre Dachau. Plus de 750 détenus étaient entassés dans des wagons à bestiaux, dont plus d'une soixantaine de femmes, presque tous résistants. Cela pendant l'été 1944, c'est-à-dire au moment même où la France se libérait, où les cheminots faisaient sauter les rails, où les gares et les ponts de chemin de fer étaient bombardés, les voies ferrées coupées. Logiquement, le train n'aurait jamais dû passer, et pourtant, comme s'il était attiré par une sorte de fatalité, à chaque fois, les obstacles ont été franchis, et il est parvenu à Dachau. On l'a appelé le train fantôme très tôt, parce qu'il ne cessait d'apparaître, de disparaître, de s'évanouir dans la nuit, de se recomposer, un peu comme le vaisseau fantôme des légendes. C'est de là qu'est parti le train fantôme. C'est sur ce quai de la gare de marchandises de Toulouse, la gare rénale, qu'a été constitué le train dans lequel on a entassé les femmes résistantes prisonnières venues de la prison Caffarelli, les plus de 150 résistants détenus à la prison Saint-Michel et les 403 déportés venus du camp du Vernet. Les camions sont entrés dans la gare par un côté et se sont rangés le long d'une voie assez éloignée de la gare, voie sur laquelle stationnait un train qui était composé de trains de voyageurs et de trains de wagons de marchandises
en principe réservé aux bestiaux autrefois. Le convoi était dirigé par l'Oberleutnant Baumgartner, qui a mis un point d'honneur pendant les 2 mois du parcours à accomplir sa mission, c'est-à-dire à amener sa cargaison de déportés à Dachau et à surmonter systématiquement tous les obstacles qu'il a pu rencontrer. Il arrivera à Dachau le 28 avant l'aube. Il y a à ce moment-là 536 déportés, dont 63 femmes. Les hommes les plus valides sont dirigés à Mauthausen et les autres, les plus nombreux, restent à Dachau. Lorsque le camp sera libéré, on pourra constater que 232 des déportés du train fantôme sont morts dans les camps. D'après moi, 2/3 des détenus, c'était des gens qui ont été tout simplement pris dans des rafles dans les rues de différentes villes polonaises ou ukrainiennes, par exemple. Il n'y avait qu'un tiers de véritables résistants ou des gens engagés politiquement. Les autres, d'abord, ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire, pourquoi ils sont là au camp, et deuxièmement, ils étaient prêts au vol et même au crime pour un peu de nourriture. Tant qu'on était capable de travailler, on vivait. Sinon, il y avait, c'était pas la chambre à gaz, c'était des piqûres. Quand on rentrait, on avait un uniforme, une gamelle et une cuillère. Tout le reste était confisqué. Pas un peigne, pas de savon, pas de serviette, évidemment. Nous n'avions que ça sur la peau et notre gamelle. L'histoire du train fantôme a évidemment quelque chose d'à la fois emblématique et fascinant et tragique. Emblématique à cause du très grand nombre de résistants étrangers ou d'origine étrangère, qui était présent dans ce convoi. Ce qui permet d'éclairer un aspect souvent sous-estimé ou mal connu de l'histoire de la résistance, c'est-à-dire la part qu'ont pris à la résistance des gens venus d'ailleurs, des immigrés, des gens qui avaient souvent fui les dictatures et qui se sont battus d'emblée pour libérer leur pays d'accueil. Et il y a eu dans le train fantôme à la fois quelque chose de très fortement internationaliste, avec ces gens de toutes les nationalités, de toutes les origines qui luttaient pour le même combat, et en même temps quelque chose de patriotique, c'est-à-dire que tous ces étrangers, ces Espagnols, ces Juifs polonais, ces Italiens, etc., se retrouvaient, se réunissaient lorsqu'ils chantaient la Marseillaise à la barbe de leur bourreau et de leurs gardiens. La deuxième chose qui est emblématique dans l'histoire du train fantôme, c'est que c'est une sorte de condensé de la résistance, dans la mesure où toutes les tendances, tous les mouvements de la résistance y étaient représentés. Il y avait des gens de toutes origines politiques, des FTP, des gens de combat, des FTP Moy, des gens de libération, des gens des maquis classés à droite, comme l'OCM ou même le maquis Birakem, des gaullistes de l'armée secrète. Toutes ces tendances étaient rassemblées et dans l'expérience terrible de ce voyage, des solidarités sont nées, même des amitiés sont nées, qui vont très au-delà de ces clivages initiaux. Donc voilà, il y a quelque chose qui naît, une solidarité qui naît, et d'une certaine manière, c'est dans ce type d'épreuve que la résistance devient quelque chose d'unifié. Et enfin, il y a une dimension tragique, je crois qu'elle est très sensible. Jamais ce train n'aurait dû parvenir à Dachau. 20 fois, il aurait dû être arrêté. 20 fois, il aurait dû être empêché de passer. Et 20 fois, les obstacles ont été franchis. Et dans ce côté lancinant des départs, des faux départs, des arrêts, des rails sabotés, puis
restaurer le train qui passe malgré tout, on ne peut s'empêcher de ressentir qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une fatalité, comme si le train était entraîné vers un destin maudit fixé d'avance, comme si le train était maudit.